Hello YouTube, Too Minute Japan, c'est parti! Vous le savez probablement, mais le Japon est une société où le stress est permanent. Dans le milieu du travail par exemple, on doit toujours, toujours garder son masque de membre de la société. Oui, bonjour monsieur. Ou même à l'école avec les examens d'entrée à l'université par exemple. Et du coup, les gens ont besoin de se déstresser, de se relaxer. Et voici une des dernières trouvailles de la société japonaise. Le battle de rap des salariés. Oui, oui, on parle bien de ça. Your pop, he's pop, your pop, none. Mais attention, on reste classe. C'est des salariés. Ce qui veut dire des règles très précises. Le battle commence tout d'abord avec un échange de cartes de visite à la japonaise. Hi, made in Japan no mono desu. Yoroshiku onegai shimasu. Tenue de travail obligatoire et on remplace les mots crus par fait au muté ou révocation disciplinaire, par exemple. Et après, go! Il y a des mots qui vont être regrettés là. Les gens, ils sont chauds. La première représentation s'est faite le 23 avril au club Dimension de Shibuya. Cet événement est un message contre la société d'aujourd'hui, qui est ressentie comme opprimante contre les salariés. Et pour vous rendre compte du succès de cette manifestation, le nombre de personnes qui voulaient participer était de... Au-delà des 8000. 100, plus de 100. Alors que le nombre de places était de 16. Et bien sûr, le public était au rendez-vous. C'est la fiesta. Dans ce concours, les juges notent selon 3 critères. Les rimes, la logique et la manière d'être. Franchement, c'est la hype. C'est la hype. Tellement que ça me donne envie de... Le salariman rap, c'est une invention qui tue. J'aime tellement ça que je me lècherais bien le... Tu me fais vraiment chanter des trucs pareils. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ciao. Si le salariman rap vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la description. Il y a les vidéos des différents battles qu'il y a eu à Shibuya. Ciao.